Ce bambou, en ces temps de malheur, grandissant dans l'ombre de cet homme sans cœur, cherchait en vain la porte menant au bonheur. Ce qu'elle voulait surtout, notre belle princesse, c'était revoir la joie, l'amour et la tendresse qui berçaient les années de sa courte jeunesse. C'est pour ça qu'elle aima, dans une douce idylle, un jeune homme au grand cœur, courageux et habile, par malheur en territoire hostile. Quelle folie la poussa à aller demander au sombre roi son père s'il pouvait se marier, car cet instant c'est là leur destin à jamais. Le roi maudit entra dans une folle rage, le garçon fut saisi et jeté dans une cage, abandonné ainsi aux oiseaux de passage. Et la princesse en pleurs fut emmenée de force par une armée de gardes entraînés et féroces qui la jetèrent sur l'heure dans un cachot atroce. C'est pour avoir offert de son amour naissant, de ses bras trop fragiles, que Bambou fut jugé, condamné à l'exil. C'est du roi fou, son père, que tomba la sentence. Il condamna sa fille à une vie d'errance, la chassant à jamais de sa terre de naissance. On grava sur sa peau la marque des bannis, à l'aide d'un fer chaud, afin que nul lui était interdit. On la raccompagna jusqu'aux portes de fer qui clôturaient l'entrée du royaume de son père, et on la vit partir sans regard en arrière. Le chemin devant elle qui venait de s'ouvrir avait-il une chance de pouvoir lui offrir un peuple qui saura l'accueillir.
voisins, où elle pensait trouver réconfort et soutien, auprès d'un peuple uni l'accueillant en son sein. Mais ces gens avaient si peur de tout et de rien, des prétendus voleurs, des soi-disant vauriens, qu'ils préférèrent lui dire de passer son chemin.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, je vais vous mettre tous les liens de Benjamin dans la bio si vous voulez retrouver ce livre ou d'autres. N'hésitez pas. J'espère qu'elle vous aura relaxé. Je vous souhaite